I don't hear you, Daniel. I don't hear you. I hear you very little bit. A little bit better. If you can put more up. Yeah, even more. Good morning, welcome in Vars at the fastest track of the world. We are here for the 2024 World Championships Speed Ski, fastest non-motor sport in the world. Bonjour, à Vars, la Forêt Blanche. On est sur la piste la plus rapide de la planète. On est ici pour le championnat du monde 2024 pour faire les demi-finales finales. The weather forecast is very complicated today. So the jury will take a decision in some moments. We have wind and clouds, so for races to race over 220, it's very complicated. There's strict rules on security, which the TDs are inspecting. Il y a des règles de sécurité que les directeurs techniques respectent et sont en train d'analyser en fonction de la visibilité et le vent si les coureurs peuvent prendre le départ. La piste de Chabrières, c'est celle qui détient tous les records. Elle a une altitude de départ de 2715 mètres et est arrivée à 2220, une longueur de 1220 mètres et un dénivelé de 495. Pente maximum 98%. We are at the piste de Chabrières. This is the fastest track in the world. A starting altitude is 2715 meters and a finish area 2220. Length 1220 meters and a height difference from 495 meters. The maximum steepness is 98%. On this track, when racers start from the top, they accelerate faster than supercars. They go from 0 to 200 in less than 6 seconds. Sur cette piste mythique, ils accélèrent plus vite que des voitures de course. Ils vont 0-200 en dessous de 6 secondes. On est ici à Vars, la Forêt Blanche. C'est le deuxième plus grand domaine skiable des Alpes du Sud. We're in Vars, la Forêt Blanche. It's the second biggest ski resort in the Southern Alps. You can see some images from all around. There's four villages in Vars. It's Sainte-Marie, Saint-Marcelin, Sainte-Catherine et Les Clos. Il y a quatre villages à Vars. Sainte-Marie, Saint-Marcelin, Sainte-Catherine et Les Clos. There's 185 kilometers of tracks. There's 185 kilometers de pistes. 36 remontées mécaniques. We will show you some pictures from last day's race. On va vous montrer quelques images d'hier. Okay. You can see that the weather is very changing for the moment. It's March. On peut voir que le météo change très très vite. C'était hier. C'est très compliqué pour organiser la course, mais on a besoin de cette période de mois de mars. Parce que la neige est extrêmement rapide au printemps. We need the weather conditions from spring because the snow conditions are faster when it's a little bit hotter. When we want to beat a world record on this track, si on veut battre le record du monde, on a besoin de que tout soit optimal. C'est ici qu'en 2023, le local Simon Billy, il a fait le record du monde. It's here on this track during the last year's World Championship that local racer Simon Billy has broken the world record. This record now is 255.5 kilometers an hour. Le record actuel
détenue par Simon Belli, est de 255,5 km à l'heure. On a aussi au départ la plus rapide des femmes, c'est Valentino Grecchio. We also have at the start the fastest lady in the world. It's Valentina Grecchio. In this sport, this is one of the sports where the absolute records from men and women are the closest together. Ceci, c'est un sport très équitable. Les records qui sont détenus par les hommes et les femmes se touchent presque. Ils sont à peine à 3%. It's only like 33% difference in between the fastest lady and the fastest man. In the most of the sports, it goes in between 11 and 13%. Dans la plupart des sports, les différences entre femmes et hommes sont dans les records sont de entre 11 et 13%. Maintenant, vous voyez un peu des images au départ. Il y a les coureurs qui attendent la décision du jury. Racers are waiting on top for the moment. They are waiting for the jury decision. The jury wants that it is a fair race for everybody. Le jury veut que ce soit équitable pour tout le monde. Ils regardent la météo à plusieurs, ils analysent et puis ils vont prendre une décision. Dès que j'ai l'info, je vous fais savoir. Valentino Grecchio, qui détient le record des femmes, a fait 247 km à l'heure. Vous voyez, par rapport aux 255 de Simon Belli chez les hommes, c'est pas loin. You can see Valentino Grecchio did 247 km an hour and Simon Belli at the man 255. You can see that it's not a big difference. We have some images from the track. You can see the racers on top. On voit l'image de la piste, les coureurs en haut. Pour aller au départ, ils ont une corde pour descendre. C'est tellement raide qu'ils ont besoin d'être sécurisés. It's so steep that they need a wire to step down towards the net. Ils vont descendre jusqu'au filet et là, ils se préparent, ils mettent leur casque et on a quelqu'un qui leur donne le départ. Il s'appelle Nono. We have somebody at the start. His name is Nono. He says when racers can go. It is always a cross-check with the timing, with the TDs on the side. C'est toujours un cross-check avec le chrono, avec le starter, avec le TD. Ils sont habillés en latex. Their suit is in latex. It's so tight, they need help from two persons to put it on. C'est tellement serré qu'ils ont besoin de l'aide de deux personnes pour se mettre dedans. Ils ont des ailerons aux pieds qui ont de strictes règles en longueur et hauteur. They have fairings at the end of their legs. We have strict rules on how long and how wide they can be. It helps them to be faster, but also to be more stable. Ça leur permet d'aller plus vite, mais surtout aussi d'être plus stable. Skier à haute vitesse sans ces ailerons, c'est impossible. To ski at this high speeds without these fairings, it's impossible. It's way too dangerous. If I get the go from the race director, si j'attends ce que c'est le OK du directeur de piste, on va d'abord envoyer un ouvreur. We will send a forerunner. His name is Lucas Fourquet, 24 from France. Il s'appelle Lucas Fourquet. Il a 24 ans. Il vient de France. He tries to be as safe as possible to get information to all the racers at the top. Il essaye d'être très sûr, mais prendre le maximum d'informations sur l'état de la piste. C'est très important pour les autres coureurs, pour voir les lignes qui skient. Ils voient comment la piste est. So they can see how the track is, the lines to follow. This is run number 8 from this week. C'est la descente numéro 8 de la semaine.
Les coureurs, ils montent de plus en plus haut sur la piste et les moins bons sont éliminés. Races go higher and higher up the track and the slowest people are eliminated. This is a way to have only the best of the best at the real high speeds. Ça permet d'avoir une course sécure et d'avoir les meilleurs du monde qui ont le droit de partir de très haut sur cette piste mythique Chabrière, ici à Vars. We have 12 nationalities at the start for the finals. Il y a 12 nations présentes pour la finale. Il y en a nettement plus pour le premier tour. Mais comme on dit, les moins rapides sont éliminés. Like I said, we have 12 nations at the start for the final. We had more at the beginning of the World Championships, but the slower racers get eliminated. Yesterday, during the seventh run of the World Championship, we already had a national record. Marta Vizcarol from Spain broke her own Spanish record. Hier, on a eu le premier record national qui est tombé. Ça a été fait par Visa Marta Carol de l'Espagne. Elle était détentrice, mais elle a augmenté le record d'Espagne à 214,61. She set the new record, Spanish record, to 214,61. You can see on top of Chabrière, the director of the piste, the director of the race, and the TDs who are taking the last information. We have people on top, at the middle, and at the bottom of the track. On a des personnes en haut, au milieu et en bas de la piste pour avoir la dernière information sur le vent, sur les conditions de neige. Okay, I think we will have a jury decision. Je pense qu'on va avoir une décision du jury. Comme vous le voyez, il y a un peu du vent. C'est pas évident. Like you can see, there's some flags. There's some wind. It's not easy. We need to have a secure race. We don't want to send people to a crash. When skiers, speed skiers ski over 220 kilometers an hour, they are almost not in contact with the snow. So the smallest wind gusts can make it blow their feet under them. Les skieurs, quand ils sont au-dessus de 220, ils ont presque plus en contact avec la neige, alors le moindre rafale de vent peut vraiment pousser leurs pieds en dessous d'eux. Extrêmement dangereux. C'est pour ça que c'est pas évident de prendre la décision d'annuler ou faire courir la course. In the last run we had yesterday, we had in the lead Billy Simon from Vars. You can see the rock on the track. If you see the big rock on the track, I will show you if I get the images. He raced 231.43 kilometers an hour yesterday. Il a fait 231,43 hier. Il est en tête.
This is Championnat du Monde. He's in the lead at this World Championships. You can see the rock just above the net. That's where they want to start today. Yesterday they started just under the rock. Ils sont partis juste en dessous le rocher hier. Et là, il a fait 231 km à l'heure. C'est extrêmement rapide. La neige est très très rapide. It's a real good speed from under the rock. This we could not have all the years. So, for the moment, in the lead in the World Championships. Pour l'instant, en tête du championnat du monde 2024, Simon Belli de France. In second place, from Czech Republic, Radim Palan. And third, from Austria, Manuel Kramer. Pour l'instant, on a Simon Belli en tête, devant le Tchèque Radim Palan et d'Autriche, Manuel Kramer. Si la course est annulée pour raison de vent, de la météo, le résultat du dernier run, c'est le final. If the jury decides to cancel this race, the run, this, then the last day's final is who is the world champion. Simon Belli, il est déjà deux fois champion du monde et il détient le record du monde. Simon Belli is a two times world champion and holds the world record. This could be his third title. Ce pourrait être sa troisième titre. En tête chez les femmes, c'est Valentino Greco. Elle a skié 226,42 km à l'heure hier devant Clea Martinez de France et de Suède, Mathilda Persson. Valentina a déjà gagné trois fois un champion du monde. Ça pourrait être son quatrième. Valentina already has three world championship titles. This could be her fourth. Her ski club is ski club de ski Val Tournanche. Her ski club is Val Tournanche. You can see that there are some clouds coming over the track. On peut voir qu'il y a un peu de nuages au-dessus de la piste. C'est pas évident pour les coureurs. Ils sont dans une position extrêmement compliquée. Ils ont très peu de visibilité dans ces casques qui sont très profilés aérodynamiques. The racers don't see a lot when they race down. It's extremely difficult and they try to keep a tuck as low as possible, but that makes that they can't see a lot. So with the clouds, it's not always easy. C'est pas toujours évident avec les nuages, le changement de visibilité pour les coureurs. De façon qu'une course est mesurée, c'est pas dans la vitesse absolue, mais on a un chrono sur 100 mètres. We measure the speeds over 100 meter. It's the timetable, as we say it. They have double lasers, so they open the gate and then they close the gate. Their time over 100 meter is measured, and that we convert to speed. Leur temps qu'ils font sur 100 mètres dans les chronos est mesuré et transformé en kilomètres à l'heure.
live. Vraiment, tu vis pour les caméras. Là. Vraiment, là. I see some officials going down to the first dunette. So let's hope for a race start. Je vois quelques officiels qui descendent au haut de la piste. Est-ce que ça pourrait être le départ? On croise les doigts. The man in blue is the chief of the TDs. L'homme en bleu, c'est le chef des TD de Suisse, Luc Christina. From Switzerland, Le Christina. En fait, que lui, il arrive à les suivre un petit peu. Ouais, mais lui, parce qu'il veut. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, le timing oui, bien. Où il remonte et il a tout le monde, et tout le monde qui est. Ah, oh, mon gars, il se tape dans la main, ça, c'est des belles images, et on les a pas en bas. Mais bon, alors, je suis 100% d'accord avec toi. Je crois qu'il y a le problème, là, c'est un peu de la priorité. Oui, parce que déjà. D'accord, comme je vous ai dit, c'est le sport non motorisé le plus rapide sur la planète. It's the fastest non-motorized sport in the world. 0 to 200 in under 6 seconds. 0 à 200 en moins de 6 secondes. I just got the confirmation that they're waiting for visibility. J'ai juste eu la confirmation qu'ils attendent une petite fenêtre pour la visibilité. Alors, espérons que les nuages peuvent s'écarter un peu pour nous donner une belle course. Let's hope that these clouds go away so we can see a fast race here in Vars. La Forêt Blanche, deuxième plus grand domaine skiable des Alpes du Sud. This is the second biggest ski resort from the Southern Alps. You can see on top of the blue lines that there's an official. That's the place where they started yesterday. On peut voir en haut de ligne bleue un officiel. Ça c'était le départ d'hier. De là, ils ont fait 231 km à l'heure. Simon Billy de Vars. Simon Billy did yesterday 231 km an hour from that place. Okay, last information is that they can see that there should be sun in a couple of moments. The racers are getting ready to step down to the net you see just above the rock. Le jury a demandé aux coureurs d'être prêts pour descendre jusqu'au filet que vous voyez au-dessus du rocher. Ils voient qu'il y a le soleil qui vient de derrière. On espère avec vous. Qu'on peut voir ces avions de chasse. C'est un sport très ancien. Les premiers records ont été faits en 1930
at St. Moritz. It's one very old sport. First records has been set in St. Moritz in 1930s. For many years, Cervinia in Italy also have been a superb spot for speed skiing. Pour beaucoup d'années, Cervinia a été aussi un endroit où des records ont été faits. Depuis presque 20 ans, le haut lieu, c'est Vars-la-Forêt-Blanche, cette mythical piste Chabrière. La piste mythique Chabrière has been the high place for speed skiers since almost 20 years now. One of the fearless Finns in image, Jukka Vitasaari. And the fearless Finns on image, Jukka Vitasaari. He détient le record de Finlande. And this is Olof Abrahamsson, a very young, promising Swede. He's so strong, he's still so young, so the future looks bright for him. Un jeune Suédois, Olof Abrahamsson. Il est très prometteur. Il a fait des très hautes vitesses déjà l'année passée, il est très jeune. En été, les coureurs se préparent physiquement et ils font beaucoup de développement pour le nouveau matériel. Racers train in summer physically, but especially they do a lot of development for new material. Their helmets and fairings, they go to wind tunnels. Ils vont à des souffleries pour tester des nouveaux casques, des nouveaux ailerons. Le moindre détail peut faire la différence de 1 à 2 km. The smallest detail can make a difference between 1 and 2 km. The helmet system is a double system. They have their safety helmet on their head, and then just on top of that, they have the aerodynamic shell. Ils ont un casque de sécurité sur eux. Après, là-dessus, ils placent une coque aérodynamique. En cas de chute, celui-là va se séparer de leur casque de sécurité. If they have a crash, the outer shell just goes off, and they keep on their head the safety helmet. They have back protectors, ils ont des protecteurs de dos. Ici, on peut voir les caméras qui filment du rocher vers le haut. Comme ça, vous avez vu, comme c'est raide, c'est extrême. You can see the camera was from the rock towards the top. You can see how extreme it is. The steepness is 98% maximum. La pente maximum, c'est 98%. De là, l'accélération fulgurante ici à Vars.
We have 6 ladies who are qualified for the finals and 20 men. On a 6 femmes qui sont qualifiées pour la finale et 20 hommes. This is the view from the top of Vars. Ici, c'est la vue au sommet de cette piste mythique. On peut voir, il y a un peu des nuages et un peu de soleil. Ils espèrent vraiment trouver la fenêtre. They hope for the window and visibility. That's why we keep this, the racers ready there. On garde les coureurs au sommet. La cigarette, tu fais chier, you bullshit. We fight and you talk. You fight. Yeah. You have rope, me no rope. In history of speed ski, only 7 men skied above 250 km an hour, and we have 4 at the start. Dans l'histoire des skis de vitesse, on a 7 coureurs qui ont fait plus que 250 km à l'heure. Il y en a 4 qui sont au départ ici. Ceci c'est Nono. C'est lui qui donne le départ. This is Nono. He gives the start. As you can see, he has a bad habit. Comme vous pouvez voir, il a encore une mauvaise habitude. Fumer.
pour ma famille, mes amis qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. Merci, c'est pour vous que je fais ça. Moi j'ai une question, est-ce que le live est authentique? C'est bon, c'est fini. Bonne image, certains des coureurs qui ont été éliminés dans les runs précédentes. You can see some of the racers who were in the World Championship but were eliminated. The way we hold the race is we step always higher on the track. On monte toujours plus haut sur la piste et à chaque fois, les moins rapides sont éliminés. Every time we step higher at the track, the slowest are eliminated. People are waiting and hoping to see these fast guys and girls. Les gens attendent pour espérer de voir ces machines de vitesse, ces hommes et ces femmes. C'est des avions de chasse. D'ailleurs, quand ils passent devant vous, à 220, 240, 250, ils font le bruit d'un avion. When they race and they come in front of you, they make the same sound as a plane. Also when they brake. Quand ils freinent aussi, ça fait énormément de bruit. Derrière Nono, Lissina. Behind Nono, it's called the Isina. This is so beautiful. They do a lot of free ride here. Ils font beaucoup de free ride là-dedans. Voici l'image de la piste Chabrière d'en haut. The track Chabrière from the top. As soon as we can get sun, we can launch the race. Au plus vite qu'on a le soleil et la visibilité qui est bonne, on peut envoyer les coureurs.
Ok. The man in red is John Duncan. He's in the jury. L'homme en rouge, c'est John Duncan. Il est dans le jury. He's a former speed skier. C'est un skieur de vitesse pendant des années. We can see in the image Siri Kling Andersen. She's forerunner for Sweden, and Mats Abrahamsson. They're discussing the race probably. It's very hard for a racer to stay concentrated, so they try to have a couple of laughs, and as soon as the race director launches the race, they have to go back into their bubble. These extreme high speeds are complicated. It needs a lot of dedication. Les vitesses de l'extrême sont compliquées, ça demande beaucoup d'engagement des coureurs. Une temps d'attente n'est pas évident pour eux là-haut. C'est pas facile de rester concentré.
As you can see, the start is delayed. We're waiting for some sun. Comme vous voyez, le départ est encore un peu remis. On attend des éclaircies. Ici à Vars, la forêt blanche, deuxième plus grand domaine skiable des Alpes du Sud. Here in Vars, la forêt blanche is the second biggest ski resort in the Southern Alps. km de piste préparée pour vous. 185 km of tracks prepared for you. Some Canadians, quelques Canadiens. Doug is from the United States. Hello, Joel from America. Joel is from Richmond, Kansas. Johnny is from Newark, Michigan, Kansas. And Johnny is our showboat. This is Frederick Mark Anderson. He's the president of Canadian Snow and Ski Association. Il est le président de l'association Ski et Snowboard de Canada. Et voici le directeur. The boss, he's a director. His name is Philippe Billy. Il s'appelle Philippe Billy. C'est un ancien recordman du monde ici à Vars. He broke a world record here in Vars in 1997. En 1997, Philippe Billy a battu le record du monde ici. C'est le papa de l'actuel recordman du monde. He is the father of the world record holder now, Simon Billy. Here are some people of the jury. Also the chief responsible from the ski patrols, Frank. Sur la gauche, on a Frank, le pistier, qui est responsable pour ce secteur. Okay, I just got the information. We are sad to have to announce you, but the race is cancelled. Je suis déçu pour vous devoir l'annoncer. La course est annulée. Les conditions météo ne permettent pas de faire des vitesses à 240 à l'heure et garder les coureurs en sécurité. We cannot have the race due to the weather conditions. Too much wind, too less, not enough visibility. It's too dangerous to make these guys go and girls go 240 km/h. On ne peut pas faire courir à des vitesses comme 240 km/h. So the results for the 2024 championships will be, it's the
results from yesterday's run with the ladies, winner, world champion, world record holder, Valentina Greco from Italy, médaille d'argent, en deuxième place, Martinez Clea, she's from France, she has the silver medal, Clea Martinez, and from Sweden, bronze medal, Mathilda Persson, et de la Suède, Mathilda Persson, elle prend la bronze. Dans la compétition des hommes, on a, pour la troisième fois, champion du monde, Simon Billy. Il est varsin, il est local, ils vont être fiers de lui ici. He's local, he's French, he's from Vars. His name is Simon Billy. Now he is, for the third time, world champion. Silver medal goes to Radim Palan from Czech Republic. Et la médaille d'argent va à Radim Palan de la République Tchèque. And bronze to Manuel Kramer from Austria. Et la bronze va à Manuel Kramer de l'Autriche. I thank you all for watching or listening. Sorry that we have to delay the race. Je vous remercie tous d'avoir regardé. On est désolé d'avoir annulé cette course. On est très fiers de ces gens, les performances qu'ils ont faites durant toute cette semaine. On est very proud of these races with the performances they did over the last week. We have the new world champion, girls and boys. The girls, the ladies is Valentino Greco. At the manor, Simon Billy. I hope to see you all back here next year for some more races. J'espère de vous voir de retour ici à Vars, la Forêt Blanche, sur cette mythical piste de Chabrières. Thank you for watching and listening. Bye bye. Merci d'avoir regardé. Au revoir.